Alors, Tolobi M23 Azana a commis si koneti Azako faire chanter gouvernement Nabiso. Gouvernement Nabiso lobia ko solana M23 T. Oui, c'est vrai. Tout Congolais na sentiment otoza nango lelo ezake makambo ba brassage wana ya ba mixage ya ba armée wana eza la lisusu te. Mais nous allons faire comment pour réformer notre armée? Ce n'est pas en recrutant les gens que nous allons réformer notre armée ou bien en nommant d'autres personnes. Non. La solution que nous disons pour le M23, c'est celui-ci. To réformer Mboka Mobimba. Mettons un plan pour que les gens d'abord se sentent en sécurité partout où ils sont. Ezala na Kinshasa, ezala na Kwamutu, ezala na Isiro, ezala na Bunia, ezala na Ituri, partout. Na boende partout, il faut que les gens puissent être à mesure de se dire que non, ao ezambo kanabiso. Et là, nous nous sommes dit, la solution la plus exacte, où il faut qu'on applique, il faut qu'on réforme Mboka, il faut qu'on réforme Mboka ngonini, na kosolo la makambo à constitution, la loi fondamentale qui inclura toutes les réclamations de tous les gens, ezalaba ba simba mandoki, o ezalaba simba mandoki te, to tia batu nyonso tout ensemble to solo là. Quel est le réel problème? Nous disons que le réel problème, c'est l'identification de la population. Ce qui est l'identification, vous allez remarquer, ce qui est l'identification, ce qui est discours de M23, ce qui est Kiwanja, ce qui est ça sera encore la même chose que Ouganda eko zwa bango ou bien Rwanda eko zwa batuana tango ba okomana lisusu bako ya lisusu kosala, ça sera la même cercle vicieux. To terre likambo oyo une fois pour toutes en se disant nzela oto zozwa eza nzela moko ya malamu te. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous trouvons une solution à un petit problème qui ne résolvera pas le problème d'ensemble. Batuo et M23 balingi peut pas contrôler Kinshasa, c'est tout ce qu'ils veulent. Et il faut savoir ça. Bazako bunda ba yebi que gouvernement congolais na makoki akobenga na bangote et ils leur disent ça que mutute akoki ko yakobenga na biso lisusu awa. Ezala ba force négative oyo ba mai mai ba kodeko ba eko bundisa ba M23 parce que ba M23 bazaba étranger. Ba M23 na kati ba M23 bazana mboka. Et ceux qui banan mboka wana bazali, comment est-ce que nous allons extirper les banan mboka na ba herma étranger? Solution ya kobimisa batu nyonso tout, ya kosala ba infiltration wana ezalate, il faut identification. Il faut que tous les groupes armés doivent s'identifier en se disant nous sommes autant, il y a autant de Congolais, il y a autant de ceci. Et comment le faire? C'est par l'identification de la population. Eux-mêmes, le M23, na discours na bango, ils n'ont même pas parlé de l'identification de ces hommes. Baloba ki eloko wana te, qu'est-ce qui se cache là derrière? Eloko eza ko se cacher derrière wana ezali ke, toza ko éviter likambo ko yeba Congolais azanani, c'est la racine. Et si nous ne taisons pas cette histoire-là, si nous ne trouvons pas de solution à cette racine-là du mal, ya koloba ke non mutu tu akoki koya kozala Congolais, toza komona a makambo ba élection za koya. Qui va voter à Rutshuru? Qui est Congolais? Qui ne l'est pas? Vous allez voir que bangonyo surtout bazako lobaka, oh non, biso toza ba Congolais. Oh bato ba kola awa. Oh bato, mais sur quelle base? Est-ce que ndenge otanga na mboka wana nde ekopesa yo likambo ya nationalité? Non. Rentrons à la case du départ, c'est-à-dire l'identification de la population. Ce qui gouvernement Kinshasa lobby bon, makambo ba élection to tiango nanu à côté. Rentrons à la case du départ, remettons le pouvoir à la base. Ba tuo bazakuna ba yeba na balobi ke OK, awa tozaboye. Ba groupes armés awa baza 50, 70 personnes. Nous avions dit la solution était de que ba tu nyoso na kati à chaque territoire ba vanda les politiciens, les gens qui ont pris les
les armes, tout ça, ba kende kosolola. C'est comme cela que nous nous avions donné le plan à Koloba. Les 145 territoires devront se mettre en place en fait de réfléchir sur leur sécurité, sur banani ango bazalaka kuna, et ça problème à identification, to identifier na nubatu. Nous nous avions dit que pour les territoires où il y a les groupes armés, oh ba groupes armés baza coopérer, nous allons demander à ce que les forces armées, les FARDC, bazalana nous cantonner pour que nous puissions dire que non, bon, ok, topé si bino, le pouvoir ya koloba, bon s'identifier na nous, bino boza combien? Boza combien awa? Et cela ne peut que se faire dans un forum où ezako salema na kati ya chaque territoire. Ba tuna kati ya ba territoire ba yeba. Faire des scènes to boy makambo mandoki awa. To lingina nous d'abord to s'identifier ba nani ango bazaba. C'est ainsi que nous sommes dit les chefs coutumiers, les notables de chaque territoire devront participer à cette identification là. Identification utaka na Kinshasa te. Soki ezo uta na Kinshasa ezako ya na ba masolo ebele ebele. Yango wana pe soki ezo uta na Kinshasa nde ba infiltré bazo ya kokota, parce que soki na bakati ya babituka batu na batu bazako s'identifier koloba ke non biso awa nous sommes 400 000, nous sommes 1 million de personnes ici, nous avons autant de gens qui ont pris les armes batu wana baye ko s'identifier to lobby bon sécurité d'abord na kati ya nani ya territoire oyo ya batu ba simba mandoki, créons de police de proximité où les mêmes groupes armés vont assurer la sécurité de cette population là et batu na batu bakozala na responsabilité. Il y a qu'au déposer ma arme à Kolobano. Les armes que nous avons seront utilisées pour notre sécurité, pour que mon goût n'aille à Kokotate. Alors, l'identification se fera comment? Par les chefs de secteur, par les groupements, par les chefs de clans, Nababilo Kwana. Donnons la responsabilité à tout le monde à la base, en fait que l'identification est salema. Ce qui identification est salemi bandeko. Batuto yebi que non, batuto baza groupes armés, baza autant, baza 500, baza 1000, baza autant. Nous aurons le poids ya ba chaque groupe de ya chaque groupe armé à Koloba keno awa eza bazaïr bazaïr ango baza combien oh eza ba to ba chini ya kilima ango baza combien baza ba congolais combien kuna, parce que ces gens là devront être identifiés aussi comme des congolais. Le place on ande to koyeba keno ba FDLR baza kakuna ba onde, c'est comme ça que nous pouvons avoir la mesure à Koloba batuana bazonga pa na bango. Mais vous allez dire tout simplement que non, les groupes armés étrangers doivent rentrer chez eux. Vous ne les avez pas identifiés. Vous ne savez pas combien ils sont. Mais tant que l'identification va congolais ko salema, ba identification va groupe armé à Kouyanania, ya étrangère, bah toyebi que ba FDLR awa na Congo baza autant. Gouvernement congolais a maîtrisé ba chiffre wana. Nous pouvons maintenant aller négocier avec les Rwandais en leur disant voici les groupes, venez les identifier et prenez-les, parce que toyebi déjà que batu baza ba congolais te bakoki ko simba mandoki te. Ils n'auront même pas droit ya kozala na police de proximité na kati ya babituka oyo baza coopérer. Ils ne sont pas des congolais, mais ce qui to résoudre déjà likambo ba congolais wana bokomona que elo Kouane Kosimba. Pourquoi? Parce que na armée na biso maintenant, ça sera maintenant une armée régulière. Oto kokwik maintenant kosa la recrutement dans chaque territoire. Ya koloba bon, armée na biso, tozana besoin par exemple à 20 000 hommes. Na 20 000 hommes, oyo, comme nous savons que tous sont des Congolais, na chaque territoire, oto kotinda bato, tozo reconnaître que bazaba Congolais, nous aurons à résoudre maintenant les problèmes des infiltrés. Et c'est na elo kouane de to kosa la keno, tosa la armée moko républicaine et kende kosa la formation quelque part ou quoi que ce soit, ou même la formation même au sein même de ce territoire là, parce que na tango tozolo ba keno batuba kende Kitona, nous ne connaissons pas qui nous envoyons à Kitona, nous ne connaissons pas qui nous envoyons à Kamina ou quoi que ce soit. Les gens doivent s'identifier d'abord, quantifier toye babaza combien DDR ça toyo kata programme nango mon côté. Nous n'avons jamais entendu parler à ce que nos DDRC attendent au bateau basé à Nairobi. Vous, ils nous ont jamais dit bateau basé même à Nairobi. Ils sont incapables de se dire que non. Biso na groupes armés na biso toza autant, toza Congo ba congolais autant. C'est comme ça que ceux qui sont là, ils ont la nationalité congolaise. Tozo et bate. Même là, on commence même à douter la nationalité ya Willy Ngoma. C'est blablabla kaka tozo loba. Willy Ngoma zako se reconnaître à l'obinga naza congolais, naza na banande ya wa naza banande. Mais nous, quand est-ce que nous les avons identifiés?
quand est-ce que nous avions identifié ces gens-là? Moi, je crois que il est grand temps maintenant. Il y a Koloba, gouvernement Kinshasa, à tout ce qu'on a nous makambo à l'élection, on a passons à l'identification. Dans ces groupes, d'identifier Congolais. Faire des séos basa côté kuna armée congolaise pe base ndimakeno toko bundali soussouté. Mais voici la politique, voici rétablissons l'autorité de l'État, et l'autorité de l'État ne peut s'obtenir que si le peuple congolais se met en dessous de cet État là en disant que l'État ngai reconnaître nga comme congolais, nga naza congolais, ngai naza boy carte d'identité moko ya solo eko salema. Et c'est ça l'ordre que nous devons mettre, bandeko. Ordre yango na photo sala soki to sali ndenge wana te makambo nyoso tozo sala o ekosila kaka boye tozo loba loba kaka, et puis nous arriverons au mois de mai ata o ndenge bazako loba ke no ba ko évaluer situation oyo na na mois de janvier. Est-ce que le Congo le gouvernement congolais sera capable ya koloba ke no na DDRC maintenant nous allons accueillir autant de personnes? Non, toyebi bango te batu msusu pe ba okio kende kuna bazaba bazana bazo appartenir na groupes armés. Il faudrait que chaque groupe armé ba s'identifier, ba se quantifier, ba loba combien bazali, pour que to yeba que l'État maintenant azo gérer combien de personnes. Et cela doit se faire dans un politique globale ya République démocratique du Congo. Politique globale on ezali na nous identification. Nous allons pas aller aux élections avec toute cette cacophonie. Eza désordre, eza kosale mabandeko. Moi je vous prierai vraiment. Batunyoso, tout to éveillé na nous conscience na biso. To éveillé conscience na biso akoloba keno. Problème, ezali gouvernance. Pour que gouvernance eza la malamu. Pour que batuna batuba se sentir pas na bango. Batunyoso ba kengela nanu pas na bango. Et nous demandons ça. Notre appel, c'est l'appel au président de la République en disant que nzela otozo kende nango. Eza kokoti sa biso ka na mbilinga mbilinga. Il faut to revenir. To tia mboka na biso nanu en ordre. L'ordre ne viendra pas dans le désordre. Non. Nous devons nous arrêter en disant politique ni nango tozo sala pour nous rassembler batu. Totia ba tribunyo so ensemble. Batu nyoso tuna katia ba bituka neza na ba problème ba vanda ensemble ba toye ba tozo respecter mobeko nini. Batu nini yango bazana katia défense oyo ya ko assurer sécurité. Le pays a besoin de la paix, et la paix ne s'obtiendra que lorsque nous aurons une réconciliation nationale. Réconciliation nationale ezaka ezate kaka ke to benga batu moko bo ba kende ko sala assise moko a réconciliation. Non, il faudrait que ceci soit babituka na ba conférence on a za koloba awa les états des liés de chaque territoire. Chaque territoire a se prendre nan en charge à koloba. Nous avons combien de Congolais ici? Quels sont les gens qui ont pris les armes dans notre territoire? To détecter bango, to yeba bango banani, comment c'est comme cela que nous pouvons le prendre en charge à koloba? Et bino Poboko tabino nyonso na eloko moko, voici nous avons une solution pour sur tout l'ensemble. Oye ko salema na Katanga, et salema pe na Équateur, et salema pe na Bas-Congo, et salema pe na Ituri. C'est ça que j'appelle la solution globale de la République démocratique du Congo. Vraiment lelo na suki wana, mais je crois que bo zanga te na émission oyo to salaka live, donc direct na Facebook poto ko expliquer ba point nyoso oyo na ba question nyoso oyo toza ko yebisa bino awa que le M23 a sepeli na likambo na Nairobi, mais la question reste totale. Voilà, continuez à vous abonner nombreux sur Contact Pro Live, parce que awa tozo lo ba solution, tozo pesa ba solution, tozo pesa ba banani. Na lobi te ke ba solution, tozo pesa za parole d'évangile te. Na lobi ke soki okanisi malamu, soki to yebi place nini probleme zali, toko kiko yeba solution na mbangu mbangu. Abonnez-vous nombreux pour que total andenge nini ke ide oyo e panzana. En vous abonnant, vous me donnez encore le courage ya ko continuer ko réfléchir na makambo ya République démocratique du Congo. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.